Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture. Et oui, j'avais dit qu'il y aurait moins de vidéos ouverture prochainement, mais on en a une aujourd'hui. On se trouve 13 paquets random, je vous les présente tout de suite. On va se rouvrir deux Obi Pack de MVP 2018-2019. Donc ça me fait vraiment plaisir de rouvrir tout ça avec vous aujourd'hui. 13 paquets random, on se trouve également un 2019-2020 MVP Obi. On va se trouver un retail de Série 2 de Upper Deck 2008-2009. On va se rouvrir 4 fois l'année recrue de Nico Hischier, Brooke Besser et Pierre-Luc Dubois 2017-2018. Donc, on part à la chasse au Young Gun aujourd'hui. On se trouve également 3 retail de 2020-2021. Donc, Laffy et d'autres bons joueurs également. Il y a Bohan Bayram et tout qu'on peut avoir dans ces paquets-là. Et on va se trouver 2 Obi de 2010-2011 de Upper Deck Serie 1. Désolé. Donc, on se trouve 13 paquets aujourd'hui. On va espérer choper quelque chose de bon avec vous aujourd'hui. Donc, les paquets sont à moi et ma grand-mère pour aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des Toronto, des Maple Leafs et tout, ça sera pour sa collection. À ma grand-mère, Maple Leafs et des Sénateurs d'Ottawa qu'elle collectionne. Donc, ici, on a un petit Jonathan Drouin pour commencer, du Canadien. On a un Alexander Steen Silver Strip. Roman Yossi, Andrew Shaw du Canadien également. Donc, les Canadiens, je les mets toujours de côté. Il y en a déjà que j'ai plusieurs fois, mais bon. Dans le MVP, je n'ai ouvert moins que du Upper Deck, donc je les mets de côté quand même. Avec le deuxième pack, qu'est-ce qu'on a? On a Jonathan Marchessault ici, avec Matt Zuccarello de l'autre côté, Puzzle Back, Jake DeBrusk, Frédéric Anderson et Connor McDavid. Checklist, on va la mettre avec les petits spéciales. Là, je trierai ensuite les cartes d'Ottawa et de Toronto pour ma grand-mère qu'on aura eu dans l'ouverture. Donc là, on va avec le MVP Obi également. Obi est de 2019-2020, celui-ci. Donc on va avec celui-ci. Victor Arvidsson, Phil Kessel, Mikael Ferland, Sidney Crosby. C'est une SP, la Sidney Crosby. SP. On a Joe Morrow, Silver Script, Zach Werenski, Teuvo Teravainen et Rasmus Dahlin. Donc petit SP Crosby qui fait quand même plaisir. Maintenant, on va avec le 2008-2009. Premier upper deck pour aujourd'hui. Le reste de l'ouverture, ça sera tout des upper deck. Donc, chance de Young Gun. Beaucoup de chance de Young Gun aujourd'hui. Donc, on y va avec le premier pack. David Krejci, Danny Hinkley, Sergei Samsonov, David Clarkson. Qu'est-ce qui se cache? On a une petite decoy ici. Est-ce qu'on a un base pack, malheureusement? Non, on a une Jen Niskala de Victory Rookie. Donc, une petite recrue, mais de Victory. Malheureusement, pas de Young Gun dans ce pack-là. Maintenant, on y va avec le premier de 4 de 2017-2018. Donc, il y a du bon potentiel ici pour des bonnes Young Guns. Pierre-Luc Dubois, Nico Hischier, Brooke Besser, Charlie McAvoy. Des bonnes Young Guns Canva également qu'on peut avoir. Mais on a une Patriots ici de Daniel Sedin. Donc, une petite Patriots. On a une petite Corey Perry. Mais je l'ai j'ai trié l'autre fois un peu mes cartes. Puis je l'ai vraiment trouvé plusieurs fois. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne la mets pas de côté aujourd'hui. J'en ai déjà beaucoup de côté. Des Corey Perry dans les Ducks d'Anaheim. Et de toute façon, il y a seulement un contrat d'un an pour l'instant avec le Canadien. Fait très bien, je l'aime beaucoup. Donc, avec le prochain pack, qu'est-ce qui se cache? On a un base pack, je crois. Oui, on a un base pack, malheureusement. Premier base pack pour aujourd'hui. Tantôt, on avait failli avoir un base pack, mais on avait eu une victory à la fin. Donc, on rouvre notre avant-dernier pack de 2017-2018, désolé. Est-ce qu'on peut choper une Young Gun? Oui, on a une Young Gun ici de... Let's go! Oh, Alex Nylander. Alex Nylander, pas une mauvaise Young Gun, mais c'est pas le plus gros nom non plus de la série. Mais quand même, c'est pas pire. Une petite Young Gun déjà. Première Young Gun de sortie aujourd'hui. Donc, il nous reste encore plusieurs packs de Upper Deck à s'ouvrir. Donc, première Young Gun aujourd'hui. On va espérer en choper d'autres. D'autres bonnes Young Guns, ce serait cool. Donc, Alex Nylander Young Gun pour la première Young Gun d'aujourd'hui. Maintenant, il va être le dernier pack de 2017-2018. Avant de passer au 2020-2021 Retail. Et ensuite, on passe avec du Obi de 2010-2011, année de Piquet-Subban, entre autres. On a une Vincent Trocheck ici. Yuri Canva de Vincent Trocheck. Mitch Marner, sa second year. Donc, je vais la mettre de côté. Je ne sais pas si on a eu du Mathieu. Je pense qu'on n'a pas eu de Mathieu second year. Maintenant, on va avec le 2020-2021. Donc, chance de la fille, évidemment. Young Gun, mais chance de bon nom quand même. Des bons petits prospects et tout qu'on peut avoir de cette année. Avec une Colin White pour commencer. Nick Dowd. William Nylander. Est-ce qu'on a une
Keith Yandle. Est-ce qu'on a un base pack? Malheureusement, je crois que oui. On a un base pack, malheureusement. C'est un peu dommage, mais bon. Il n'y a pas de carte collée. On a vraiment un base pack ici. Ouais, on a un base pack. Il n'y a pas de short print non plus. Ou de SP en français. Donc, on y va avec notre deuxième pack de cette année. On a une petite Thomas Tatar à la fin pour terminer le paquet. Je vais tout de suite vous la présenter. Une petite Thomas Tatar pour la collection. Ensuite, on y va avec le prochain pack. Avec ce pack-là, qu'est-ce qu'on a ici? Pas un autre base pack. Ben, voyons donc. Foutu base pack. Ah non, on a une carte collée ici. Ah, c'est une base. C'est une base pareille. Bon. Pas de chance avec les 2020-2021. On a du base et du base pour l'instant. Maintenant, avec le dernier 2020-21, on va espérer que tous ces bases nous rapporteront quelque chose de bien dans ce paquet-là. Si on pourrait choper une Young Gun. Oui, on a une Young Gun. On va passer tout de suite à la Young Gun. Et c'est Joel Kiviranta. Joel Kiviranta. Donc, qui a très bien fait en série éliminatoire. Je l'ai beaucoup aimé avec les Stars de Dallas. Un peu moins dominant présentement dans la saison. Mais quand même, c'est cool. Une petite Young Gun. Joel Kiviranta. Pas le nom qu'on aurait voulu sortir, malheureusement, c'est sûr. On aurait voulu une belle Lafrenière ou Bohan Bayram, quelque chose comme ça. Ça a été cool. Mais une Kiviranta. Donc, je ne sais pas pourquoi les cartes sont collées. C'est rare que les dernières saisons, la saison qu'on est dedans, présentement, les cartes sont collées. Donc, maintenant, on y va avec le premier pack de Obi 2010-2011. Obi Pack. Donc, on en a deux. Comme ça, se trouverait pour terminer l'ouverture d'aujourd'hui. Deux Young Guns jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut en choper un autre dans ces paquets-là? Ce serait vraiment cool de pogner un bon hit. Donc, on a une Maxime Talbot pour commencer. Daniel Brière. Mikhail Grabowski. Devin Stogucci. Chad LaRose. Al Gill. Ah, shit. Désolé, mais un autre base pack encore. Désolé. Un autre base pack, malheureusement. Et en plus, c'était un hobby. Maintenant, on va être le dernier hobby pour aujourd'hui. On va espérer... Oh! On a une carte dans un... On a une carte d'un sleeve. Donc, on va voir c'est quoi ensemble. Une carte d'un sleeve. Et c'est une belle Mike Tolak des Wallers de Hartford du 20e anniversaire de Upper Deck. Donc, certificat de rachat de Upper Deck. On va la sortir pour la regarder. Belle petite carte quand même. Donc, c'est une carte comme buyback qu'ils ont fait cette année-là. Donc, collectionner les meilleurs donc de 90-91. Ils ont rajouté le petit sticker. Donc, c'est un hit. On a un petit hit ici. Je ne sais pas pantoute combien ça vaut, cette carte-là. Mais on a un petit hit au moins. Un petit buyback, genre de buyback. Malheureusement, ils n'ont pas numéroté cette année-là comme qu'ils ont fait à certaines années. Mais on a une petite Wallers d'Hartford. Malheureusement, je ne connais pas le joueur. Mike Tomlak. Mais un petit hit ici dans notre dernier hobby. Donc, on n'aurait pas pu avoir ça, je crois, dans un retail de cette année-là. Mais on a un petit hobby ici. C'est pas une Young Gun. Mais d'après moi, c'est peut-être même meilleur qu'une Young Gun. Donc, dépendamment c'est qu'ils l'ont. Peut-être pas si c'est Piqué Subban ou une des grosses recrues cette année-là, 2010-2011. Mais on a eu deux Young Guns aujourd'hui. Donc, Alexander Nylander et Joel Kiviranta. En plus de quelques petites inserts et tout. Rien de bien gros. Un petit McDavid, Crosby, SP. C'est toujours plaisir. Puis, un petit hit aujourd'hui avec le certificat de rachat de Upper Deck de 2010-2011. J'ai hâte de voir la valeur de cette petite carte-là. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pas nécessairement des vidéos ouvertures prochainement, mais il y aura d'autres vidéos que je vais présenter, probablement des cartes de ma collection et des cartes que j'ai... pas des cartes, mais des vidéos mail également. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.